Qu'est-ce que tu veux, l'anglais ? Edward Kenway. Je suis venu t'avertir d'un danger. Et je suis gallois. À mes yeux, vous vous ressemblez tous. Et je n'ai que faire de ta mise en garde. Ma vie n'est que danger. J'ai peut-être pas arrangé les choses. Alors tu as une dette envers moi. Et ça tombe bien, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à libérer des amis. Ce sont des esclaves ? Mes frères, des guerriers, les espoirs des marrons. Toute cette histoire ne me regarde pas. Tout ce que je te demande, c'est de te mêler à tes semblables. Et d'apprendre où mes amis sont détenus. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. C'était escorter cet homme au nord. Non, au sud. Non, au nord. Ouais, c'est ça, au nord. Vers l'entrepôt. C'est ça, l'entrepôt. Quoi qu'il en soit, c'est un esclave. Il a des fers aux pieds. Il ne risque pas d'aller bien, bien loin. Alors, je vais peut-être d'en mettre un coup. Je le fais. Ça, allez, une autre tournée. Ça nous aidera à réfléchir. C'est toi qui paies ? Je viens de perdre mon travail. J'imagine. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il avait besoin de faire quelque chose. Parfois, il faut juste faire un exemple. Ça, c'est pas moi qui dirais le contraire. Prévenir les autres. Tu as des informations dont j'ai besoin. Non ! J'ai entendu parler des tiens, les assassins ! Ne me fais pas de mal ! Tout ce que je veux savoir, c'est où est cet esclave ? Tu sais si quelqu'un est détenu ? Quelque part ? Pitié ! Laisse-moi la vie ! J'ai une femme, des enfants! Alors parle! Dépêche-toi! Cherche près du moulin! Tu vois? C'était si difficile? J'ai trouvé ton homme. Et j'ai trouvé où ses frères sont détenus. Aide-moi à les libérer. Non, mon ami. J'ai payé ma dette. Les histoires d'esclaves, je ne m'en mêle pas. Et je doute qu'un Templier soit derrière tout ça. Dès qu'il s'agit de liberté, on doit s'en mêler. Quel est ton prix ? Quoi ? Seul l'argent anime un homme dénué de principes. Combien en veux-tu ? Il existe une clé que je recherche. Elle fait partie d'un jeu que je vole aux Templiers. Les clés des Templiers ? Elles n'ont pas été détruites ? Je suis pas le seul à connaître leur existence, alors. Si nous la trouvons,
elle est à toi. Marché conclu. Allons chercher tes amis. Les ivrognes et les catins que tu apprécies tant te seraient bien utiles. Allez-y. Envoyez-le ! À l'enfer ! Non mais Batman ! Barbarian ! Le seul survivant est celui qui a fait là. Destroy the Shakers ! Keep up, boys ! He's a slippery bastard inside, boys. Found him, sir! Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je te remercie. Vite, rejoins le bureau. Enfin, rends-toi au bureau. Tu vas devoir te montrer prudent. L'endroit sera bien gardé. Tu connais ma méthode. Va prendre. Hey, oh, là-bas! Hold that! Die! What you getting from here? Merci. Retrouve-moi au bureau. Où on va maintenant? Assez travaillé pour cette nuit. À moins que tu y prennes goût. C'est tout? Et les Templiers? Et ma clé? Le Templier ne s'est pas montré. Tu auras ta clé en temps voulu. Non, Anto. Le temps est venu. Quand ta conscience se réveillera, ou quand tu sauras à quel point tu désires cette clé, le temps sera venu. Te revoilà. Tu as donc trouvé ta conscience? Je veux ma clé. La patience est une vertu. Tu attends de la visite? Tu pourrais trouver ta clé plus tôt que prévu. Aide-nous à défendre le bureau. Ceux qu'on a libérés nous aideront. Don't lose sight of him. Calme. Mieux vaut se méfier, d'autres vont venir. Décime leur rang avant la prochaine vague. Avancez! Ah!
Get it! Avancez! Plus tu en tueras maintenant, moins puissante sera la prochaine vague! Tellement qu'on y arrivera sans peine. Edward, je suis vraiment content que tu sois venu. Désolé de ne pas avoir de clé à t'offrir, mais... Non, la clé peut attendre. J'ignore qui a fait ça. Mais je compte bien lui donner une leçon. Ce Templier s'appelle Kenneth Abraham. Il prend part à la guerre contre les Marrons. Mais nous tenons toujours bon, et il ne nous battra pas. Laisse-moi décider d'un plan. J'ai un plan, mais notre tâche sera ardue. Abraham a des relations et beaucoup d'argent. Nous avons repéré un homme de son entourage. Nous le suivrons jusqu'à ce qu'il dévoile notre cible. Laisse-moi lui régler son compte. Le voilà qui arrive. Bonsoir. Sire. Une nuit propice à un bal. Une nuit propice à célébrer la victoire à venir. Nous sommes nombreux. Ils n'ont pas la moindre chance. Dommage qu'ils ne soient pas invités. Ils ne nous verront pas célébrer notre victoire. En effet. Tous sont les bienvenus. J'arrive de la caserne. Je suis certain que la nouvelle livraison d'armes réglera ce problème de Marron une fois pour toutes. C'est bien notre intention, mon ami. Croyez qu'ils s'y attendent? Probablement. Ils s'y attendent toujours. Mais cette fois, cela n'aura aucune importance. Eh bien, si vous voulez m'excuser, je dois régler une affaire privée avant de faire mon entrée. Moi aussi. Nous nous reverrons là-bas. Il est dans le secteur. Vernon était sous notre nez depuis le début. C'est tout vrai, on dit. Il n'agira pas comme un soldat ordinaire. Les ravines, les grottes et les fissures. Des fissures vides. Mon père a combattu les corrompus. Oh, tu peux rire. Il a été l'un des rares à moi. J'ai entendu beaucoup de choses qu'on raconte. Est-ce qu'il est aussi bon guerrier qu'on dit? Je crache sur ce misérable et sur ses frères. Ce sont leurs guetteurs. Il faut vraiment quoi. Oh mon gars, quand tu entends sonner leurs cornes de brume, tu ne ris plus, tu cours. Ils te voient arriver à des milles. Et ils te tombent dessus quand tu tiens dans le moine.
grâce à la puissance de nos armes, nous prendrons le dessus. Peut-être. Mais si tu entends leurs cornes, dis-toi que les ennuis sont pas loin. Anto, depuis combien d'années nous battons-nous? Tes hommes dans les montagnes sans armes dignes de ce nom, face à ma splendide armée. Et pourtant, tu vis, et moi je meurs. C'est la volonté de vaincre qui te manque. Ah. Je me sens toujours pas chez moi.